Bérénice, on est arrivé. Enfin non, on arrive dans 5 minutes. On est en bas de la place. C'est les balayettes, il y en a au moins 4. Okay. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais elles sont là. Est-ce qu'il me reste à faire les placards du bas ou pas? Oui, c'est ça. Oui, il te reste à faire et l'évier, j'ai pas fait. Je... Ouais, c'est ça. Téléphone. De cacahuètes. Ah, tu parlais d'Arnaud. T'as dormi dans le lit de Noémie et ensuite de Léoba. Elle parlait de cacahuètes et j'ai cru que tu... Elle parlait de toi. N'importe quoi. Long. Il dormait sur la dentelle, mais après il a trouvé qu'il y avait un peu trop de trucs, du coup il est parti. Et tu leur fais comme ça un petit hôpital de repos. Voilà. Tu peux la prendre par derrière, tu vois ton... Oui, je sais, tu la prends par le dos. Là. Ah ouais, bon, t'es un spécialiste. Ah ouais, c'est vrai que par contre, tu t'es déjà fait passer, non? Ouais. Ça fait mal, hein? Ah, là, ça m'énerve. Ouais, là, ça. Ça? Oui. C'est des piquants. Ouais. Ça, je me suis fait passer pour du cyclone. Ça y est, j'en ai eu. Bah, du coup, je sais qu'elles se mettent dans les herbes, et puis bah, quand elles ont besoin d'aller dans l'eau, bah, elles sortent, et puis du coup, je les récupère. Puis des fois, avec un autre sachet plastique, je vais récupérer de l'eau, puis je transvase l'eau dedans. Ok, du coup, tu les sauves, quoi. Ouais, voilà. C'est vachement organisé hein, en tout cas. En fait là je crois que je viens tous les jours. Tous les jours? Ouais, et puis là je vais revenir tout à l'heure vers les 16h. Ok. Pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Ils sont et tu crois qu'il y a des heures ou il y en a plus ou Oh oui, il y en a beaucoup plus. Là il y en a 3, il doit y en avoir une centaine. Ouais. Si, il y en a plein. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça a fait 3 jours. 3 jours et tu démarres là? Ouais. Ça fait 3 jours, là c'est la 3e. En 3 jours. En gros, chaque jour, j'en trouve une. Tu feras scientifique. Ouais, ça, je sais toujours pas. Il y a le temps, il y a le temps.
Ah oui, t'as encore le temps, t'es en quelle classe? Bonjour. Là, je vais passer en cinquième. Ah oui. C'est un sauveteur d'écrevisse. Blessé. Alors, on admire le travail. Bon, vous avez la pousse de premier secours. À nous, non, c'est le jeune homme. Coucou. C'est, ouais, c'est comme disait, c'est des écrevisses d'Amérique, c'est ça? Ouais. Attends, attends. Et tu les prends à quel moment, là? Bah, quand j'ai fait la photo, puis après avoir fait la photo, je vais chercher un sac plastique, puis je les mets. Je suis invité ici pour écrire sur le lac de Grandlieu pendant 5 semaines, à partir de l'été prochain. Mmh. Alors, je vais commencer à rencontrer des gens un peu qui vivent autour de ce lac, et ça fait une chouette première rencontre de voir ce sauvetage-là. Mmh. Par un adolescent en vacances. Là, il y a plus de glace. Il y a des couverts et tout. J'aime bien ce genre de petites conneries à poser sur mon bureau. Ah ouais, alors là...